Lisons Daniel, aujourd'hui vous êtes Christelle et vous êtes esthéticienne. Oui, c'est ça, exactement. Je viens directement au studio 511 pour faire Léa Salamé parce qu'elle a tellement de travail, plus cher. Elle court tellement partout qu'elle a le temps de rien, donc c'est moi qui me déplace. Merci. Je l'avais rencontrée à Marseille, elle avait une urgence mi-jambe sur une interview pour France Bleu Provence. Et ouais, parce que là-bas, elle cadre en pied. Et bon, bah, je pense qu'il y a eu de bonnes ondes qui sont passées entre nous. Elle a bien aimé mon toucher et mon professionnalisme. Donc elle a dit, à partir de maintenant, le sif et les aisselles, c'est Christelle. Alors voilà, je viens tous les mois à Paris. À la maison de la radio, j'ai mon badge et tout. Allongez-vous, hein, Madame Salamé, mettez-vous confortable. Je lève les feuilles d'interview, hein, on n'a plus besoin. Allez, super. Bon, après, c'est vrai que faire le trajet avec les grèves, c'est pas facile, hein, mais j'ai trouvé un Formule 1 pas trop loin dans l'Essonne. À quelques heures de RER, ça va, je suis bien. Puis les poils dans la douche, ça me rappelle le salon. Allez, soufflez. Voilà, c'est bien, ça part bien ce mois-ci. Hein. Vous avez utilisé le gommage, comme je vous avais dit, non? Ah, c'est bien, vous avez été sérieuse. Et ouais, vous voyez, ça fait de suite la différence. Il n'y a pas de peau morte, là. On a le poil qui est bien dégagé. Forcément, il part bien. Vous, alors, sérieuse dans le travail, sérieuse dans la douche. Vous êtes vraiment parfaite. Hein. Allez. Oh non. Et moi, ouais, ça va, moi, ça va. Enfin, oh non, vous l'avez jamais faite. Coussi coussa, et ouais, c'est que la société évolue, hein, ça fait évoluer mon travail aussi, mais c'est normal, c'est la société. C'est ça qui est passionnant aussi. Oula, fait mal celle-ci. C'est les mollets, la peau est fine. Eh ben, non mais c'est que les femmes, elles changent beaucoup de rapport à leur corps, mais ça s'extrapole, vous voyez. D'un côté, il y a celles que j'appelle les Kardashian, chirurgie esthétique dans tous les sens, et elles, vous savez ce qu'elles font, elles font le laser. Donc c'est définitif, vous voyez. C'est comme Attila, après lui, rien ne pousse. Et d'un autre côté, il y a les modernes, vous savez, les non-binaires qui manifestent. Alors, ils celles-là, je les aime bien, mais il y a le sépi le plus. Alors que le crâne sous les aisselles et les mi-jambes, c'est quand même bien. C'est quand même 34% de mon chiffre d'affaires, vous voyez. Mais vous savez quoi, je ne leur veux pas, du tout. J'aime bien. J'aime bien parce qu'elles interrogent un des grands fondements de la domination masculine, quoi. L'intime, c'est politique, Madame Salamé. Eh ouais. En fait, je suis assez raccord avec la philosophe Camille Froide-Vaumétrie, vous voyez. Assumer le poil, c'est une réappropriation, je cite, hein, de toutes les dimensions incarnées de notre existence. Pas incarnée comme le poil, hein, Mathilde? Surtout pas. Allez. En fait, quand on regarde, elles déconstruisent cette terreur de l'animalité dont parlent les gueules. Et ça, ça me plaît. On n'est pas des statues marmoréennes, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez qu'on n'ouvre pas de livres dans les bouches du Rhône? On a de la culture, hein, comme le disait Diogène. Ôte-toi de mon point soleil. Je plaisante. Voilà, Maléa, toute belle. Hydratez bien ce soir et surtout. Claude, Nico, je vous fais le dos pendant le journal d'Anaïs Vega. Avec on plaisir. On se met en régie. Et Mathilde, pardon, j'y arrive pas à briller trop. Et Mathilde, vous qui voyez le monde sous un angle nouveau, on peut se faire une... Elle va pas y arriver. On se fait une petite manipédie pendant la conférence de Reda. Qu'est-ce que vous en dites? Ah ben je rentabilise le Paris-Marseille. Allez, à toutes. Merci Lison Daniel.